Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test outillage avec cette fois un format un peu particulier puisque je vais vous présenter la machine à café de chez Makita, la DCM501Z. Nous retrouvons donc la machine qui vous sera livrée avec deux systèmes différents permettant l'utilisation de deux aides type Senseo ou alors un café moulu traditionnel avec un microfiltre. Une tasse inox double paroi, évitant de se brûler. La machine fonctionne sur les modèles 12, 14 et 18 volts. Possède une petite poignée de transport. Vous retrouverez donc un compartiment pour l'eau permettant la réalisation jusqu'à deux cafés. Hop. Et une petite cuillère doseuse pour ceux donc qui utiliseront le café moulu pour pouvoir réaliser et doser vos cafés. Et après 3 à 5 minutes de préparation, selon que vous preniez un court ou un long, votre café est prêt. Attention, c'est bien connu, un bon café améliore la productivité. Du coup, pour résumer, nous avons une machine extrêmement compacte qui fonctionne sur une large gamme de batteries de chez Makita, aussi bien avec du café moulu que des dosettes type Senseo, même si le résultat sera identique à un café filtre, ce qui en fait une machine parfaite pour les chantiers sans électricité ou les loisirs type pêche, camping, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver l'ensemble des tests outillage. À bientôt!